Voici la maison de Jonathan Corwin, plus communément appelée The Witch House ou la maison des sorcières. Cette maison se trouve être la seule et unique structure toujours en état d'origine depuis le fameux procès des sorcières de Salem durant l'année 1992. Elle est aujourd'hui devenue un musée historique, mais dans le passé, elle appartenait au juge Jonathan Corwin, né en 1640. Jonathan, l'une des plus grandes fortunes de l'époque, achète la maison en 1675, alors qu'il est âgé de 35 ans, et y vit durant un peu plus de 40 ans. Jonathan a été appelé à enquêter sur les allégations d'activités diaboliques lorsqu'une vague d'accusations de sorcellerie a éclaté dans le village de Salem, aux environs de 1690. Jonathan est donc le juge en charge de l'affaire, et à la suite du procès d'une centaine d'hommes et de femmes, il va même aller jusqu'à en condamner 19 d'entre eux à la mort par pendaison. En 1692, le fameux procès des sorcières de Salem se termine donc par la mort de 19 personnes, clamant toutes être innocentes et n'avoir jamais pratiqué quelque sorte de sorcellerie. Il faut savoir qu'à l'époque, il était plutôt commun d'accuser de sorcellerie une personne pour tout et rien. Bien souvent d'ailleurs, il s'agissait de femmes. Lorsque cette dernière avait un ou plusieurs grains de beauté sur le corps par exemple, cela faisait automatiquement d'elle une sorcière. Lorsqu'une femme avait du caractère et le faisait savoir, c'était une sorcière. Si elle avait un bouton, c'était une sorcière. Bref, vous avez compris le principe. Mais même si la majorité des personnes accusées de sorcellerie se trouvaient être des femmes, des hommes et des enfants ont eux aussi été victimes de ces accusations. Il est d'ailleurs aujourd'hui possible de leur rendre hommage dans le parc commémoratif du procès des sorcières de Salem. En 1718, Jonathan perd la vie, mais ses enfants héritent de la maison qui va rester dans la famille Corwin jusqu'au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, il est donc toujours possible de visiter la maison des sorcières située sur Excess Street et d'en découvrir tous les secrets. Le Hawthorne Hotel a été construit en 1925, il a donc vu défiler des millions de visiteurs en presque 100 ans d'existence. Il tient son nom de l'auteur Nathaniel Hawthorne, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. A l'époque, il est fréquenté notamment par des voyageurs de passage. Situé en plein cœur de Salem, il est impossible de visiter la ville sans remarquer cette structure immense. À partir des années 70, il est même utilisé pour le tournage de certains films, tels que Ma sorcière bien-aimée ou encore plus récemment le film Joy avec Jennifer Lawrence. Mais ce qui rend cet hôtel aussi célèbre se trouve être en grande partie les événements paranormaux l'entourant. Un grand nombre de clients de l'hôtel ont disparu sans laisser la moindre trace. Ils ont été aperçus entrer dans le bâtiment et faire leur check-in avant d'entrer dans leur chambre et ne plus jamais être aperçus en ressortir. Depuis plusieurs années, les clients se plaignent d'entendre des bruits étranges sans arrêt. Plusieurs clients ont reporté avoir entendu des cris et pleurs de nourrissons durant la nuit tout entière, et ce, malgré le fait qu'aucun enfant ne se soit trouvé dans une chambre les entourant. Des meubles se sont déplacés tout seuls au milieu de la nuit et des bruits de pas se font entendre. Les clients ayant séjourné dans la chambre 325 sont ceux ayant reporté le plus grand nombre d'événements étranges. Les lumières ne cessent de s'allumer et de s'éteindre, et les bruits de pas s'y font entendre encore plus que dans n'importe quelle autre chambre. Le fantôme de Bridget Bishop, la première femme exécutée en 1692 lors du procès des sorcières de Salem, a d'ailleurs été aperçu se promenant dans les couloirs du 6e étage par plusieurs clients, et toutes les personnes ayant été témoins de son apparition ont donné l'exacte même description.
D'autres personnes décrivent avoir vu l'esprit d'un capitaine de bateau déambuler dans les longs couloirs de l'hôtel à plusieurs reprises. La chambre 621 a elle aussi connu un grand nombre d'activités paranormales, entre objets se projetant contre les murs et bruits étranges, aussi bien au milieu de la nuit que durant le jour. L'hôtel est malgré tout tellement bien entretenu et vous offre un service luxueux, pouvant presque vous faire oublier ces fantômes. Et croyez-moi, la plupart des clients ayant été témoins de phénomènes étranges durant leur séjour affirment tout de même avoir passé un moment fantastique au sein de l'hôtel et le recommandent fortement autour d'eux. Turner, surnommée plus tard la maison aux 7 pignons, est un manoir colonial datant de 1668. La demeure de 17 pièces a été bâtie originellement pour un vendeur de chaussures et de chapeaux du nom de John Turner et va d'ailleurs rester dans sa famille durant 3 générations. Il s'agit aujourd'hui de l'une des maisons les plus anciennes du continent américain. Mais elle devient réellement populaire durant l'année 1851, lorsque l'écrivain Nathaniel Hawthorne écrit un livre se basant sur cette maison, appelé La Maison aux 7 Pignons, d'où lui vient maintenant son nom. Petite clarification pour ceux qui, comme moi, ont dû se rendre sur Google pour vérifier ce qu'était un pignon, sachez qu'il s'agit là de la partie supérieure du mur d'un bâtiment, qui sert à donner des versants à un toit. Bref, l'auteur Nathaniel Hawthorne vit à Salem au milieu des années 1800, mais ne vous faites pas avoir par le titre de son ouvrage, car dans ces années-là, la maison n'avait pas 7 pignons, mais seulement 3. L'auteur affirme que le chiffre 7 sonnait tout simplement mieux que 3 pour son roman. Et Nathaniel connaît particulièrement bien cette maison, car durant l'année 1782, elle est vendue à la famille Ingersoll, qui n'est autre que l'oncle de Nathaniel. Ce dernier passe donc une majeure partie de son enfance dans la maison à jouer avec ses cousins, et en connaît donc tous les recoins par cœur. Il est grandement inspiré par cette incroyable demeure et écrit donc un roman de fiction et d'horreur autour de cette dernière. Dans son livre, il aborde des thèmes tels que les esprits et le surnaturel, ou encore, bien évidemment, la sorcellerie qui fait grandement partie de l'histoire de la ville, mais aussi de l'histoire de Nathaniel. Car l'arrière-grand-père de Nathaniel n'était autre que le juge John Hawthorne, l'un des juges en charge du procès des sorcières. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se soit inspiré de ces faits pour l'écriture de son roman. Nathaniel n'a jamais accepté les actes de son arrière-grand-père et la honte que sa décision d'exécuter ces 19 personnes a apporté à sa famille à travers les générations. Il est persuadé d'ailleurs que le nom Hawthorne est maintenant maudit. Nathaniel perd la vie en 1864 et peu de temps après sa mort, la demeure est transformée en musée. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont reporté que la maison serait hantée par de nombreux fantômes des précédents propriétaires. La maison possède un escalier secret que Nathaniel, justement, adorait utiliser dans son enfance pour jouer à cache-cache avec ses cousins. De nombreux visiteurs ayant emprunté ces fameux escaliers ont rapporté avoir vu l'esprit d'un homme de grande taille qui montait et descendait les escaliers.
Des bruits de pas s'y font entendre sans arrêt, et certaines personnes affirment avoir vu le fantôme d'un petit garçon dans le grenier de la demeure. L'esprit de la cousine de Nathaniel, Susanna Ingersoll, a été lui aussi aperçu, se promenant dans les couloirs de la maison, comme si elle habitait toujours là. Des visages ont été aperçus aux fenêtres de la maison durant la nuit, à de nombreuses reprises par des passants, et plusieurs personnes ayant planifié une visite guidée des lieux ont dû les quitter en plein milieu du tour après s'être senties extrêmement mal à l'aise ou avoir entendu des voix. Que l'on croit ou non à tout cela, il est certain que la maison aux 7 pignons regorge d'histoires et n'a pas fini de faire parler d'elle.